Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui épisode... Je ne sais plus combien. Je check rapidement l'épisode. La musique que l'on entend est pas terrible pour le coup. D'habitude les musiques de BBS sont plutôt rythmées. Là, bon, c'est parce que dans les événements, il y a un contexte autour de la Spirit Society. On va certainement y avoir le droit pour le mois de... Attendez, excusez-moi, je fais plusieurs choses en même temps là. Pour le mois de la fin du mois d'octobre, hein, vu que c'est Halloween à la fin du mois. À mon avis, le contexte se met déjà en place. Nous sommes à l'épisode 185. C'est bien ça. Donc, aujourd'hui, on va faire les épisodes de secondaires donc de l'été. Donc, ils sont un petit peu en retard, hein, je l'avouerai, mais j'ai voulu laisser un petit peu de temps à chapez.io. Là, je vais regarder déjà les premiers retours, hein, peut-être, s'il y en a, dans là, après le tournage. J'ai d'autres séries qui vont venir. Ça, voilà. Donc, BBS va avoir des trous. Je vous l'annonce. Voilà. C'est pas que je fais une overdose du jeu, pas encore, mais ça peut arriver. Je sens que voilà, ça fait 185 épisodes, ça fait quand même beaucoup. Et donc je commence un poil à saturer. Mais vraiment un poil. Voilà, c'est tout. On va espacer un petit peu. Et j'ai du contenu entre deux. Donc tout va bien. Là, en tout cas, vous allez avoir au moins cet épisode-là ce mercredi et un épisode suivant le mercredi prochain. Puis c'est tout. Mais après, on repartira, à mon avis, sur du chapez.io jusqu'à Halloween, où il y aura certainement un événement secondaire. Voilà. Et vous savez que j'ai hâte d'Halloween, vous savez que j'adore cette période de l'année. Je le répète tous les ans, mais j'aime vraiment cette période de l'année. Alors, ouh, mais qu'il fait chaud. Et si ça continue, je crois qu'on va fondre. Je veux de la fraîcheur, de la glace. Cette canicule qui persiste épuise tout le monde. Ils ont toujours pas trouvé un nouveau sprite pour Issané. Je trouve ça vraiment dommage. On a toujours la même sprite d'Issané. En fait, il n'y en a qu'un seul. Et c'est un petit peu. C'est vraiment dommage. Faudrait vraiment qu'ils trouvent. Enfin, qu'ils fassent de nouveaux sprites à Issané. Ça, il y a de quoi être épuisé. Il fait vraiment chaud cette année. Pareil pour Kiyone, hein, il n'y a pas énormément de sprites d'elle. Je n'arrête pas de transpirer. Mon maquillage est en ruine. Ça va continuer encore longtemps cette canicule. Mesdames, nous sommes en réunion. Un peu de discipline. Mais t'as pas chaud, toi, Nana? Bien évidemment que j'ai chaud, mais nous n'y pouvons rien, voilà tout. Très pragmatique. Les capitaines Soifon et Onohana sont absentes aujourd'hui car elles ont des obligations ailleurs. Et nous, j'ai peur qu'on n'arrive à rien dans ces conditions, il fait si chaud. Dites au fait, dans les quartiers de la deuxième division, ils ont l'air conditionnés dans toutes les pièces. Non, ils ont l'air conditionnés, d'accord. De toute façon, il nous faut l'avis du capitaine Soifon sur divers sujets. Alors que diriez-vous de poursuivre la réunion dans ces quartiers? Proposition acceptée, on va chez Soifon. C'est vrai que si on reste ici, on ne fera que souffrir de la chaleur alors que la deuxième division doit être agréablement fraîche. Très bien, je comprends qu'il soit nécessaire de nous rendre dans un lieu plus propice afin d'avoir des discussions productives. Bravo Nanao et merci, puisque tout le monde est d'accord, allons-y sans plus tarder. その程度
Omaïda. Et quand le chat n'est pas là, il fait bien frais, c'est le pied. Je vais rester ici bien tranquillement jusqu'au retour du capitaine, moi. Bonjour. Vice-capitaine Kozashi. Et nous sommes là aussi. Youpi, qui fait bon ici. Dites, qu'est-ce qui vous prend de venir vous prélasser dans les quartiers des autres divisions? La réunion de l'association des femmes Shinigami va se tenir ici. Nous allons attendre le retour du capitaine Typhon. Hein, mais ici, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on est bien? La fraîcheur, c'est la vie. Oui, c'est parfait. Eh bien, je vois qu'il y a de l'animation. Vous aussi, vous êtes donné rendez-vous ici. Madame Yoruichi, que fait-elle ici? Alors, pareil, le spread de Yoruichi. Alors, il y en a quelques-uns de spread de Yoruichi, mais ils utilisent souvent le même. Et Soifone, j'ai l'impression aussi pareil. En fait, c'est un petit peu dommage dans le jeu. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes. Enfin, beaucoup de personnages qui sont pas vraiment les personnages principaux, mais c'est vraiment flagrant chez les femmes. Que chez Calab, en fait, il manque des sprites. Parce que pareil, ce sprite de Soifon, où elle commence à sortir son sable dans le dos, là, on le voit énormément, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres, il me semble, de sprites comme ça. C'est con que la série soit extrêmement bien travaillée sur le chara-design des femmes, mais que le jeu soit si pauvre au niveau des sprites des femmes dans le jeu. Il y a bien Orihime qui a des vertes tenues, qui a des expressions faciales ou ce genre de choses. Matsumoto aussi. Rukia évidemment. Mais hormis elle, hormis les trois femmes les plus vues dans le manga en fait, j'ai l'impression que les autres femmes manquent un petit peu de sprites. Yoruichi a aussi quelques sprites différents, mais ça s'arrête là en fait. C'est un peu dommage. C'est à vous de justifier votre présence. Que faites-vous dans les quartiers de la deuxième division? Je ne crois pas vous y avoir invité. Je vais me débarrasser d'elle sur le champ, maître Yoruichi. Veuillez patienter un instant, je me charge de tout. Mais enfin, on peut bien rester un peu. Non, aujourd'hui, c'est la réunion de l'association des... Bon, des femmes Shinigami, elle veut dire, mais... Vous voyez, là, par exemple, c'est un petit peu idiot, parce que... On est dans une situation burlesque, un petit peu. Et il y a quand même deux personnages sur les trois là qui ont la main sur le sabre quoi. Qui sont en position d'attaque quoi. Ça casse le burlesque. C'est un peu dommage. J'avais annoncé que je participerais pas aujourd'hui. Maître Shiruichi me fait l'honneur de sa présence. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Mais c'est-à-dire que sortez d'ici immédiatement. Mais c'est pas gentil, capitaine Soifon. Quoi, l'air frais, c'est fini. Il n'y a rien à faire quand le capitaine Soifon est comme ça. Toute discussion est inutile, allons ailleurs. Pourquoi je me fais mettre à la porte moi aussi? Bon, chapitre 2. Oups, j'ai cliqué en dehors de la fenêtre. Bon, en vrai, je vais pas les prendre les bonus, c'est ça. Et on va augmenter un petit peu le rythme, on est déjà à 10 minutes. Il n'y a pas d'autre endroit où il fait frais. Je propose d'abandonner cette idée et de reprendre nos discussions. J'ai peur que nous perdions de plus en plus de temps. Mais maintenant qu'on a goûté à cette délicieuse fraîcheur, je ne nous vois pas retourner dans un four.
Bien sûr, mais que faire? Bonjour à toutes. Oh, Nenem, d'accord, ok. Tu n'étais pas en congé. Qu'est-ce que tu fais? Je me souvenais plus qu'il y a Chiro appelé Nemu Nenem. Je retourne au quartier de la 12e division. J'avais une course à faire pour Maître Mayuri. Par cette chaleur, oh là là. La chaleur et le froid ne m'ont jamais gêné dans nos quartiers puisqu'on ne les sent pas. Mais il est vrai que dehors, c'est un petit peu éprouvant. Pardon, dans vos quartiers, vous ne sentez pas la chaleur? La deuxième division abrite le bureau de développement technique. Certaines salles sont certainement équipées d'un dispositif de climatisation. Ah oui, c'est sûr, Dinemu, on peut t'accompagner. Ouais, un endroit tout frais. Ne t'en fais pas, on se charge de tout expliquer au capitaine Kurotsuchi. Très bien. Oui, je comprends la situation, vous ne supportez pas cette petite vague de chaleur, hein, quelle bande de mauviettes. Oh, putain, il est détestable, à Mayuri. Ben, au fond, pourquoi pas, suivez-moi, je vais vous conduire dans une pièce bien fraîche. Alors, méprisable, mais étonnamment aimable, là, pour le coup. Et, faudrait qu'on parle de Nemu, parce que le... Parce que vous savez, je l'ai en plus Nemu là dans l'équipe pour son training. C'est vrai que ça c'est dingue de voir que dans la Machine Society, c'est une femme affirmée, charismatique, et que dans la Soul Society, c'est une femme qui est extrêmement docile envers Mayuri, extrêmement loyale certes, mais qui est renfermée sur elle-même et peu charismatique en fait. Il y a vraiment une différence entre la Machine Society et la Soul Society à ce niveau-là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé le dernier coup alors qu'on était en plein dedans. Mais bon. F-Mayu, t'as tout compris. Alors par contre, je sens le coup, faut revenir, hein, bien évidemment. Quel soulagement, j'avais peur qu'il nous claque sa porte au nez, mais non, pas vrai, Nanao. Oui, nous avons de la chance. Je suis quand même surprise que la cuisine Kurotsuchi accède si facilement à notre demande. Nemu, apporte-moi la clé de la salle, tu sais laquelle. Bien compris. Tu sais laquelle. Allez, il commence à flipper quand même. Évidemment que ça sent le coup fort. Bah, en fait, c'est idiot, mais en fait, l'association des femmes Shinigami devrait inviter Rukia. Et Rukia, elle a un zanpakuto de glace. Cette Deno, elle pourrait rafraîchir la pièce dans laquelle se trouve l'association des femmes Shinigami, quoi. Parce qu'on a certainement tous pensé, hein, à évidemment à Yorinmaru pour refroidir un petit peu, mais le capitaine Itsugaya, c'est un homme, donc pour l'association des femmes Shinigami, bof, moyen. Mais par contre, il y a un autre Zanpakuto de glace, c'est celui de Rukia. Je vous en prie, entrez. Oh, il fait bon. Vive la 12e division, une pièce aussi fraîche et miraculeuse. M'en doutez. Pourquoi fermez-vous la porte à clé? Afin d'éviter que mes cobayes ne s'enfuient, bien sûr. Cobayes. Ceci est un de nos laboratoires. Bien sûr, je peux en contrôler la température à ma guise. Je comptais justement procéder à une expérience de résistance du corps. Merci de votre coopération. Oh, j'ai jamais dit qu'on a accepté de participer à une expérience. On veut juste se rafraîchir un peu. C'est grotesque que vous voulez recevoir sans donner quoi que ce soit en retour. Ça ne marche pas comme ça. Sans la clé, vous ne pourrez pas sortir. Toute résistance est inutile. On va pas se laisser faire.
c'était évident que voilà. Ara, ce fut dur, mais on a réussi à s'en sortir. Quelle horrible expérience, dire que nous demandons seulement un petit service. Et au final, nous voilà en pleine chaleur. J'ai faim en plus. Oui, nous aurions peut-être mieux fait de rester simplement dans notre salle de réunion. Rangiku, ça va? Si tu ne te sens pas bien. J'en ai assez, tout ce qu'on demande c'est un peu de fraîcheur. Pourquoi ce parcours du combattant? C'est plus possible, on passe au plan de la dernière chance. Au plan de la dernière chance. En vrai, des solutions elles en ont quoi, c'est ça qui est idiot quoi. Alors, on fera pas les tirages aujourd'hui. On les fera. Ben, en fait, moi, je vais les faire dans le deuxième épisode que je vais tourner, en fait. Donc, vous, ce sera la semaine prochaine. Rengiku, attends, le plan de la dernière chance. De quoi parles-tu? Suivez-moi, vous verrez bien. Je veux bien te suivre, mais où va-t-on? Dans les quartiers de ma division, et évidemment. Bon. Donc, elle va quand même demander à son capitaine. Bah c'est pas plus mal, on va pouvoir voir Toshiro dans cet épisode, c'est plutôt cool. Vous savez que j'adore ce capitaine. Évidemment. Oh, mais pourquoi ils ont pris ce sprite? Non, par contre, au niveau des sprites, il n'y a pas eu de travail là, sur cette histoire secondaire. Je trouve ça assez dommage. Capitaine, Amatsumoto, je rêve où tu as laissé ton travail en plan. On peut savoir où tu étais. À la réunion de l'association des femmes Shinigami, le travail, je vais m'en occuper maintenant. Alors ne vous énervez pas. Et celles-là, qu'est-ce qu'elles font ici? C'est moi qui les ai invitées à passer. On est toutes très passées par la chaleur. Et donc, capitaine, vous pourriez utiliser vos pouvoirs pour rafraîchir la pièce. Ah oui, comment avons-nous pu oublier que nous avions sous le nez un allié idéal contre la chaleur? Et en même temps, prépare-nous du Kakiori. Ah là là, il y a le Pierrot qui. Pas question. Oh capitaine, vous êtes pas sympa. Vous utilisez Yorin Maru pour ne pas souffrir de la chaleur. Vous pourriez partager un peu, quoi. Comme si, comme je te l'ai répété 100 fois, mon Zanpakuto n'est pas un appareil ménager. C'est pas faux, mais bon. Je veux dire, il y a un épisode quand même où il utilise Yorin Maru pour faire de la glace pilée. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, accepte un petit peu, quoi. Ok, c'est plus puissant des Zanpakuto de glace, il veut être un petit peu impérial et tout, comme Zanpakuto, mais c'est bon, lâche quelques degrés en moins, quoi. Et puis, surveille ton langage quand tu parles à ton capitaine. Ah, oh, c'est pas cool. Du calme, je vous en prie, à force de gesticuler comme ça, vous réchauffez la pièce. Capitaine Insugaya, pour le travail, nous vous aiderons. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous nous rafraîchir un petit peu? Je vous jure, puisque c'est comme ça, ah, le bon cœur d'Insugaya quand même. Quelle merveille, le Yorin Maru du capitaine Insugaya. En un clin d'œil, la température est idéale. On a l'impression de renaître. Ah, peux-tu me passer ces documents là-bas? Issané, j'ai fini ma pile.
super bon ce kakiori. Il est frais et en plus, on peut manger de la glace. Non, franchement, capitaine, votre Yorinmaru, c'est le meilleur. Matsumoto, bon sang, tu as vu Issei et les autres, prends-en de la graine. Et ça se finit comme ça? Ça a l'air de se finir comme ça. 20 minutes. Bah, je vous propose qu'on attaque la deuxième histoire. Attendez, juste un instant. Bien, excusez la petite coupure, donc on reprend. Voilà, là où... Donc, la légende du Seireitei, Tail, les vacances d'été des Zanpakuto. Alors, c'est l'été et les Shinigami aussi. C'est une saison où on s'amuse. Que vais-je choisir comme nouveau maillot de bain? Il faut que ce soit un bikini, bien sûr, mais de quelle couleur? Et puis, t'as l'air de t'amuser. Ah oui, ça te... Tu te rends compte? Les vacances d'été, j'attends ça depuis si longtemps, il faut en profiter, c'est obligatoire. Et c'est vrai que vous restez ici pour vous occuper du CRT, on compte sur vous. Non, mais il n'y a que vous qui en profitez. Oh là là. Non, en fait, elle chantait. Ah là là là, d'accord, ok. Et elle part en chantonnant comme ça, si c'est comme ça. Nous aussi, on va profiter de l'été. Non, mais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les génies Zanpakuto. C'est toujours nos maîtres qui en profitent, c'est pas juste, on est d'accord. Nous aussi, on va se faire plaisir cet été. Et c'est pour ça que tu nous as dit de venir. Moi, je veux bien, mais concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, Rankiku a dit qu'elle allait à la mer, alors nous aussi, on va à la mer. Tous en maillot, en direction la plage, tout ça. Je ne veux pas aller à la mer, mais pourquoi? Tu ne vois pas, tu n'as jamais entendu parler des coups de soleil, tu ferais mieux de revoir ta copie. Pour un Zanpakuto de feu qui a peur des coups de soleil, c'est un petit peu antinomique, mais là, tout bien. Si ça te défrise autant, tu n'as qu'à rester ici. Je n'ai jamais dit que je voulais pas partir, j'ai dit que je voulais pas aller à la mer. On n'est pas obligé d'aller à la plage, de toute façon. Moi, je vais prévenir les autres Zanpakuto. Vous trouvez un endroit. Bon, ok, on compte sur toi pour prévenir les autres. Alors, au niveau du farm, c'est un petit peu un enfer en ce moment. Ce qui me manque surtout, c'est des volontés de Yogyoku. C'est surtout ça qui me manque. Mais au fait, et ta maîtresse, Tobione, elle ne va pas à la mer? Eh bien, Momo... allez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Attendez, excusez-moi, je reçois une...
Ah, mais il est à la con. Je vais fermer Thunderbird. Attendez. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? On a entendu que vous cherchiez une idée pour qu'on s'amuse cet été. C'est pas juste que Renji aille à la mer sans nous. On s'est dit qu'on allait trouver quelque chose de sympa, même si qu'il y en a qui ne croient pas à ses oreilles. Allez, on le fait ensemble. C'est vrai, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on ramène ça tout de suite. Alors attendez, on y va, le singe. J'ai pas tout compris là, excusez-moi, mais ils sont repartis. Samu Maru ne revient pas, qu'est-ce qu'ils font? Allez, voilà, les voilà. Vous nous cherchiez. Vous jouez avec nous, allez, on joue. Hein, d'où ça sort cette histoire? À quoi on joue? Au jeu des éventails, ah oui, c'est parti. Et pas si vite, on n'a pas encore accepté de jouer avec vous. Une seconde, pourquoi on est forcé de jouer avec vous tout à coup? Allez, voilà, écoutez. Le maître de... Oui, bon, donc, Ukitake est allé étalité parce qu'il ne supporte pas la chaleur et du coup, tu es chargé de t'occuper d'eux. Ok. Toujours à hein, le sprite de Sadeno qui est juste magnifique à sa place. Oui, mais quand nous sommes partis, ils sont partis en courant et voilà. Ah, il est vraiment, mais enfin, elle est vraiment magnifique, Sadeno. C'est moi que Maîtresse Rukia a chargé de ce travail, mais si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous m'assister? D'après ce que j'ai entendu, vous préparez quelque chose d'amusant. Ok, pas de problème, puisque le plan c'est de s'amuser, ça change rien. Réfléchissons donc ensemble à la meilleure façon de profiter de l'été. Youpi. Ah, c'est bien, on aura fait, je pense, toutes les histoires de l'été. Et les tirages, ça peut attendre Ça peut attendre Halloween. Tout de même, cette chaleur est accablante. Qu'est-ce que tu racontes? C'est l'été, il fait chaud, c'est normal. Il y a des limites, tu as entendu? Il y a déjà des gens alités. Avant de nous amuser, nous devrions réfléchir à comment nous protéger de la chaleur. Oui, faut en même temps ce Kitake, il a des problèmes de santé. Il est souvent alité. Ah bon, j'ai compris alors. Là, elle vit vraiment à cause du soleil, quoi. Ben, la crème solaire, par soleil, enfin, par soleil, n'importe quoi. Parasol, et puis c'est bon, hein. On veut de l'eau. Ou alors de la glace, de la glace. Bonne idée, vous deux, bravo. Ah, j'ai l'impression qu'ils vont encore faire appel à Yorinmaru.
S'il te plaît, viens profiter de l'été avec nous, mon chéri. N'importe quoi. C'est toujours nos maîtres qui en profitent, c'est injuste, tu trouves pas? C'est notre tour de nous amuser. Je n'aime pas la chaleur. De plus, je dois aider mon maître dans son travail. Ne devriez-vous pas faire la même? Mais non, ma maîtresse ne fait jamais rien de toute façon. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'aider. Dans ce cas, suggère-lui de s'atteler à la tâche. Cela fait partie de votre devoir des impactos, ne crois-tu pas? Oh là 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 là. Bah oui, elle dit que de toute façon, elle tire au flanc et évidemment, il y aurait une Maru. Bah, c'est les impactos de Toshiro, donc évidemment, ça va clasher forcément. Et puis le mon chéri, il est peut-être un petit peu de trop dans le dialogue de Aineko. Mon maître m'a dit que si ta maîtresse faisait son travail, ses journées ne seraient pas aussi chargées et... Oh là là, c'est bon, j'ai compris, je le dirai à Rengiku, mais pour l'instant, on va réfléchir à la façon dont on va profiter de l'été. Ah, te voilà, Inoko, je t'ai cherché partout. Oups, alerte, on est découvert, sauf qu'il peut. Pas le choix. Sauf qu'il peut. Ça suffit, attendez un peu. Ah, bon sang, quand il s'agit de filer, ils donnent tout ce qu'ils ont, alors que pour le reste, elle peut bien causer, elle. C'est la première à tirer au flanc, mais c'est pas grave, quoi. Mon chéri a dit non, on a été découvert par un du coup, j'en ai marre. Bordel, alors ça c'est vraiment trop quoi. C'est plutôt à moi de dire ça, tu me fais courir pour des histoires idiotes, merci bien. Si c'est comme ça, je vais profiter de l'été encore plus, quoi qu'il en coûte, allez, on commence à se creuser la tête. Ouais. Eh bien, vous vous tournez les pouces. Pas la peine d'arriver avec tes grands airs. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je rentre après avoir aidé mon maître. Ah ça, en voilà un qui est sérieux. Rien qu'à te voir, j'ai déjà trop chaud. Ne prends pas la chaleur comme excuse, c'est plutôt un manque de résistance de ta part, il me semble. Laissons ces pauvres mollassons de nos chers Yuki, rentrons à la résidence. Et dis donc, t'as fini de n'en faire qu'à ta tête. On peut profiter de l'été parce que Sadeno Shiryuki est là et nous donne un peu de fraîcheur. Cesse de t'approprier les autres. Ce que vous faites ne m'intéresse pas. Il est bien plus important de rafraîchir la résidence. C'est toi qui essaies de t'approprier Sadeno Shiryuki là. Rafraîchir la résidence signifie assurer le bien-être de sa maîtresse. Où vois-tu un problème là-dedans? Le problème, bon sang, c'est que t'es insupportable. Ah, sacrilège, sacrilège. Veuillez vous calmer tous les deux. C'est bon, Sakura. Je suis navré, ma maîtresse Rukia m'a chargé d'un travail et je ne peux pas encore rentrer à la résidence. On s'occupe de Sadeno Shiryuki. Ah non, bah pardon, excusez-moi. Oui, donc du Zanpakuto de Kuraku. J'essaierai pas de prononcer le nom du Zanpakuto de Kitake, j'y arriverai pas. D'accord, nous aussi, on est d'accord.
C'est parce qu'on est déjà censé s'amuser et profiter de l'été, non? Qu'est-ce que... Bien, et quand vous parlez de profiter de l'été, qu'avez-vous en tête exactement? Excusez-moi, je vais y arriver. On y réfléchit en ce moment, figure-toi. Je vois, eh bien, je vais vous aider. De toute manière, la résidence doit être une véritable étuve. Donc, au final, tout ce que tu veux, c'est être au frais, je me trompe. Allons, allons, c'est très bien comme ça. Youpi, on est tous ensemble, tous ensemble. Je sens que je me suis embarqué dans une histoire secondaire un peu trop longue. Au fait, que fait Zabumaru? On ne sait pas où ils sont partis, et c'est pareil pour le jeu de iPhone. J'avais envie de changer un petit peu. Hop, voilà, on va mettre la version Machine Society de Nemo. On en parlait tout à l'heure. Elle a un pouvoir de soin. Ah non, j'ai tiré sur une caisse. Je me suis dit, elle a un pouvoir de soin. Mais... Par contre, les effets de son flingue, ils sont cool. Dites, vous étiez passé où? J'ai rameuté les autres, moi. Et là, mais tu as rassemblé presque tout le monde. J'ai pas bien compris, mais il s'agit de faire la fête. Je suis pour. Je suis surprise, même Kazeshini est venu. On m'a forcé à venir si j'avais eu le choix. Tu m'avais l'air enthousiasmé, pourtant, tu voulais savoir ce qu'on pouvait faire d'amusant. Tu parles de moi là, n'importe quoi. Toujours aussi négatif. T'as un Wabizuke, mais il est tellement dark ce Zone Pacto. Tu peux parler, ouais. Nous aussi, on veut jouer, on veut jouer. Mais aïe, qu'est-ce que. On n'est pas en train de jouer là, vu. C'est un peu la même chose, non? Bon, et sinon, qu'est-ce que vous comptiez faire? On n'a pas encore décidé, mais Abimaru a une idée apparemment. Nous voilà, partons. Nous voilà, pardon de vous avoir fait attendre. Alors, c'est quoi leur idée? Et à mon avis, ce sera le dernier chapitre. On va profiter, on va utiliser le dernier personnage de mon équipe. Eh bien, vous avez pris votre temps. Désolé de vous avoir fait attendre. Qu'est-ce qui. Est-ce que ce serait des feux d'artifice? Exactement. Qui dit été dit feux d'artifice. Youpi, on tire les feux d'artifice, on les tire. Ça manque un peu de place ici, non? Mieux vaut aller dans un endroit plus dégagé. Ah, je vois très bien où aller, suivez-moi. Et donc, on va switcher.
J'ai plus son nom à ce personnage de Elvers. Il y a des rumeurs sur un deuxième film Elvers, je sais pas ce qu'il en est. Mais bon, vu que de toute façon la série la guerre sanglante de Milan est toujours pas sortie en animé, en vrai je m'attends pas à ce qu'on ait un nouveau OAV de sitôt quoi. Ils sont à moi, ces feux d'artifice. Je voulais tirer cela, donnez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? De nouvelles armes, peut-être. Ce sont bien des feux d'artifice, on est d'accord. Super, super. Et c'est drôlement beau, même en plein jour. Pas un geste. Que signifie ce tapage? Bien, on tire des feux d'artifice. J'avais vu, merci. Ce que le commandant en chef veut savoir, c'est pourquoi vous les tirez ici. Vous êtes conscient que vous faites cela juste derrière les quartiers de la première division. Je vais devoir en référer à vos maîtres sans tarder et... Oh, c'est quoi ça? Quelle horreur! Et viens pas comme ça derrière moi. Des serpents de feu, on les allume et il en sort des espèces de cendres en forme de serpent qui rampent tout comme toi, quoi. Hein, de quoi tu parles, d'accord? Ça n'a rien d'une horreur. Ça suffit, ça suffit. Allez, allez, allez-vous nous écouter, oui ou non? Excusez-moi, je devais tousser, donc j'ai coupé mon micro. Donc vous vous amusiez avec des feux d'artifice sans comprendre où vous étiez vraiment. Ben c'est parce que nos maîtres profitent de l'été sans nous, alors c'est pas juste. Nous aussi, on a le droit de se détendre un peu sans nos maîtres, de temps en temps. On n'aurait pas dû le faire, là on s'excuse. Alors pardonnez-nous, et puis venez tirer des feux d'artifice avec nous, faut pas hésiter. Oh, est-ce que ça marche ça? Est-ce que faire appel un petit peu à son... À se détendre un peu, est-ce que ça marche avec Yamamoto? Ouah, c'est chaud. Des feux d'artifice. Donc il en a... Ah purée, il a utilisé... Ryo Jinjaka pour allumer des feux d'artifice. Commandant en chef, Ryo Jinjaka, et... Attention, sauf qu'il peut. Quelques jours plus tard... Oh! Ils ont sorti le sprite d'été de Rangiku, enfin le sprite civil, plutôt. Mais franchement, votre histoire de feu d'artifice, j'en frissonne rien que d'y penser. Mettre en colère le commandant en chef, je ne recommence jamais. Dommage, donc ça n'a pas marché. L'aspect « Oh, venez vous joindre à nous, venez vous amuser un petit peu, commandant en chef », c'est pas passé du tout, en fait. C'était pas ma faute. Bon, vous, bon, nous, on s'en va. Vous, soyez sages, vu. Mais oui, mais oui. Excusez-moi. Bon, bah voilà. Allez, on s'amuse. Quelqu'un a une idée? Ouais. Voilà, quoi. On a 45 minutes. Je pense que ça se termine comme ça. Ouais. On a une Rangiku. On va voir si c'est une nouvelle. Et puis on va faire quelques tirages. Personnage. Eh zut, je suis plein. Bon, c'est pas grave. Alors. Déjà, primo, il y a cette loterie-là. Je voudrais la faire parce que ce nouveau Ichigo, il a l'air méga classe.
Allez, on y croit tous. Non, malheureusement. On tente un deuxième, mais je n'ai pas, mais j'ai pas plus d'orbes que ça. Après, il y a Tchad, hein, le nouveau Tchad aussi de la Spirit Society. Il a l'air cool, mais à mon avis, la communauté de fans de Tchad doit être juste ouf, quoi. Bon. Malheureusement, ça tombera pas aujourd'hui là-dessus. Bon, eh ben, on a quelques loteries. On a quelques loteries à faire. Donc, on a voilà, quelques événements, un spécial anniversaire à faire. Donc, on va faire ça. Donc on sait que c'est un 5 étoiles, la question c'est lequel. Yukio. J'ai déjà toutes les versions de Yukio. Donc ça sert à rien. Oh non, non. Là, ouais, spé vitesse que j'avais déjà. Enfin, spé force que j'avais déjà. C'est Renji ça. Ah non, c'est. Oh, c'est un nouveau. Ça, c'est bien. C'est un nouveau que je n'avais pas. Donc, ça, c'est cool. Et le spécial anniversaire. Donc, on a au moins un nouveau 5 étoiles. Que j'avais déjà. Ok, on a une loterie de 4 5 étoiles à faire. Oh, un 5 étoiles tombe. Deva, il te m'a rimas. Ah. Stiwe, hahawe. Izuru, je l'avais déjà. C'est la version académique. Voilà, puis après, on a des loteries de Brave Souls à faire. En vrai, on va les cumuler. J'aimerais bien, mais honnêtement, je manque de. Déjà, je manque de place. Et puis, surtout, j'ai pas les volontés du Yoku pour pouvoir les faire progresser. Donc, par contre, on va, c'est. Tac, tac. Hop, surtout le Ikaku là. La musique là, elle est pas terrible. La musique qui est en arrière-fond. Attendez. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire avec. Mince, j'ai oublié de le monter de niveau.
Alors, qu'est-ce qui va me manquer? Moi, quelques cartes événements. Oh, ça m'en coûterait que 5 si je le mettais à 100%. Moi, oh, non, c'est pas grave, je farmerai. Je farmerai les événements, ça c'est pas un souci. Ok. Donc ça c'est bon. J'ai libéré un peu d'espace, donc... Et j'ai tout pas assez. Malheureusement, je n'ai pas libéré assez d'espace pour... Bon, c'est pas grave. Alors... Voilà. Là, normalement, je libérais assez de personnages pour pouvoir prendre le reste. Oui, il restait 7 personnages, c'est un peu idiot. Ok. Et donc, est-ce que la Rangiku, notamment qu'on a récupérée, est-ce que c'est une nouvelle? Donc, déjà la Momo, non. Et donc la Rangiku, c'était pas une nouvelle là. Je l'avais déjà. Dommage, ça aurait été 35 orbes en plus. C'est un peu dommage, mais bon. Ok. Ah mince, j'ai oublié de le... Donc rectification, hein, il n'y aura pas de BBS la semaine prochaine, résultat. Ou alors c'est du... Il y aura peut-être Halloween. Peut-être que cet épisode sortira un peu plus tard, résultat, et comme ça vous aurez Halloween la semaine prochaine. Je verrai, je verrai. Ça dépend de quand sort cet épisode. Si c'est début octobre, eh ben non. Si c'est fin octobre, eh ben vous savez que ce sera Halloween la semaine prochaine, quoi.
Bien. Bah écoutez, on verra si on fait des tirages de. Non, je me suis trompé. C'est l'échange de médailles, ça. Ouais, je me suis trompé. Hop. On va faire quelques loteries de connes. Attendez, je vais récupérer d'abord les points d'amitié. Voilà. Et on va voir combien de volontés de du coup on arrive à obtenir avec, avec ça. Mais je vais économiser les tickets de Brave Souls pour le moment et on fera des tirages plus tard. De l'autre brache, une volonté. Une deuxième. Et de 3, ça me fait déjà un personnage libérable. Ou 6 et 7. C'est bien, ça va m'aider ça. Toujours 8. Thank you.
9. Ça fait 3 personnages libérables. En vrai, ça aide beaucoup. Bon, on arrive sur les derniers tirages. Si je pouvais avoir une dixième volonté, ce serait pas mal. Dernier tirage. Allez, une dixième volonté pour le dernier tirage. Ou un x3. Ça serait juste ouf. Ce serait juste ouf d'avoir un x3 là. Non, malheureusement, c'est non. Bien. Bah écoutez, sur ce... J'espère que cet épisode vous aura plu. Le prochain épisode de BBS, ce sera certainement sur Halloween. À moins que pour Halloween, justement, ils sortent le prochain Spirit of the Way with You. Parce qu'actuellement... c'est même pas apparemment en projet. Dommage. Mais faudrait que... Faudrait qu'il sorte le chapitre 2 de sa foye. Ça serait cool. Mais bon. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt.